C'est parti pour les soldes d'hiver, les 24. Il n'y a personne, ça va. Ça y est. Vous pouvez voir jusqu'à moins 70%. Merci. C'est parti, Vicky. Qu'est-ce que c'est? C'est là. Oh. Hop. Un simulateur. Pas bien. Plus du fou. Plus du fou. J'en ai mis des trucs déjà. Plus du fou. Zéro. Zéro, putain, il y en a partout des euros. Colanta. Ah. Ah. Bon, déjà il y a tout ça, ce qui me fait 89 euros. Allez, ticket est sorti. Voilà, 99 euros tout ça. Allez, on récupère tout. Donc, ça y est, on a fini la première partie des soldes de Carrefour. Donc on va passer à Cultura. C'est parti, c'est là. Bon bah c'est parti, on va faire le magasin. Regardez, le bus il arrive. Pile poil. Yeah. Ouh, j'en ai là. Donc là on continue et on va à ici. On va à la porte de la muette. Des choses intéressantes. Voilà. En français, pas de bouffe. Il y a absolument personne. C'est paradise. Il n'y a personne. Tiens, tu vois, il y a. Ça commence. Ah, t'as vu One Piece a dit c'est. Regarde. On doit le mettre dans le sac, on verra. Tu mets dans le sac, après on fera le tri.
dire, il n'y a personne. Ah, tu vois, j'avais dit qu'il serait. Ah, voilà. Mis dans le sac. Le jeu, ça va, peut-être. Il y a des schtroumpfs. Ah, j'avoue que le gardien de la galaxie. 89% de. 50%, c'est un peu cher. Hein. Ah tiens, ça peut t'intéresser ça. On le met dans le sac, on verra. Ah, on est tranquille. Regardez. Ah ouais. Bizarre, il n'y a personne. Ah, tu l'as pas, donc prends-le. Hein. Ah, prends-le. Hein. One Piece Odyssey, il y en a un deuxième au cas où. Tiens, je switch. Ah, la crypto super chien, il est là. Ouais, il y en a partout. Vertigo, Alex Kidd. Ah, je suis tenté. Ah, Call of Duty Modern Warfare 3. Non, c'est le 2. Attendez, c'est le 2. Ah, c'est le 2. Ah, super. J'ai pris un jeu. Tiens, Miraculous. Ah, ouais, j'avoue. Ouais. Ah, non, j'ai joué sur Switch, j'ai pas aimé. C'était pas le même, hein? Regarde. Ah, celui-là, regarde celui-là. Ouais. Oh, comment on est au curse. Ah oui. Comment on est au curse, 50%, 39 euros. Ah, c'est Iberia. Non, ça compte, je suis des 50. Ouais. Tiens, prends ça. C'est bien, il y a 20e anniversaire. J'en ai pris un moi aussi. Il y en a encore un autre. Ah, il y en a un autre, Godoum. Il y a 12 boosters, regarde. Ah ouais. Un PS4. Warhammer 40 000. Ouais. Regarde. Encore un Siberia. Alors, je vais sur ce pied parce que le rayon de vidéo il est juste là. Là vous voyez, il n'y a personne. Donc il est plus de 10h et il n'y a personne. 19 euros. Total, ça pique. La snack va bientôt ouvrir là. Vous voyez, ça commence, ils arrivent. Là, ils sont plus des choses. Allez, cours. Cours, ok, vas-y.
Bon tour. Là. Il y a même des selles sur les Blu-ray. Batman, la série la nuit. 59 euros. 50%, ça fait 30 euros. Vu que c'est à 59. Resident Evil. Bon, j'ai trouvé quelques petites choses. C'est dans mon sac là. On va voir, passe à la caisse. Bah ça y est, je viens de sortir de la Fnac, comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Je suis à la Défense. Et là, regardez ça. Le sac, il est rempli, il est trop lourd. Et c'est parti pour le compte rendu de solde de 2024. Alors là, il y a du lourd de partout. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Plein de belles choses, plein de belles trouvailles. Plein de vide-grenier avec plein de jeux vidéo, plein de trucs à tout ce que vous aimez, quoi. Un peu du jeu vidéo, les livres, de la musique, des films, des Blu-ray, des VHS, des laserdiscs, tout ce que vous aimez trouver. Donc, tout de suite, nous allons commencer par le magasin Carrefour où il y avait pas mal de soldes. Et comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas énormément de monde. On était à peu près, je crois, 4 ou 5 à chercher du jeu vidéo. Bon, c'est vrai qu'on a couru un petit peu parce que ça avait dit bien, ça met la pression et ça met un peu de cardio. Pour la suite des soldes. Donc il y a pas mal de choses. On va commencer par les jeux Switch. Alors là c'est que du Carrefour pour l'instant. Il y a Cultura et Fnac aussi. Donc on va commencer par les jeux Switch. Lego Harry Potter Collection qui comprend Harry Potter, Lego Harry Potter année 1 à 4 et année 5 à 7. Comme le magasin 5 à 7. Donc vous connaissez tous Harry Potter et vous connaissez les Lego. Donc là c'est un combiné des deux. C'est-à-dire de Harry Potter et des Lego. Donc je n'ai jamais essayé ce Harry Potter en Lego. Ce sera l'occasion. Donc je l'ai payé 5 euros comme vous pouvez le voir. C'est indiqué sur le prix au lieu de 14,99. Et bien sûr c'est un code de téléchargement. Donc on pourra y jouer en ligne. Pareil, un jeu avec un code de téléchargement. C'est le seul et unique qu'il y avait dans ces soldes de bac de soldes de Carrefour. C'est le Mario plus Lapin Crétin.
Il me semble qu'il était sorti il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Hein. Je ne dis pas de bêtises, c'est sorti en 2023. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Bon, je sais pas, il n'y a pas marqué la date. Donc, c'est le Mario plus les lapins crétins Kingdom Battle. Donc, je l'ai payé la somme de 3 euros, comme vous pouvez le constater, au lieu de 8,99 parce que c'est un code de téléchargement. Il faut savoir que les magasins Auchan et certains autres magasins proposent les codes, les jeux à code de téléchargement à moins de 10 euros. Donc, ça, c'est bien. Surtout, c'est à 3 euros. Et maintenant, nous allons passer au jeu PlayStation 5. Donc pareil, c'est toujours à Carrefour et toujours en solde. Donc vous avez commencé, alors j'avais cru que c'était un jeu de, comment ça s'appelle, de zombies, mais non, pas du tout. J'ai pas fait gaffe à le Hunter. C'est le Way of the Hunter, donc un jeu de chasse. Donc j'avais pas fait gaffe, j'avais pas vu. En fait, c'est l'avant qui m'a fait croire que c'était un jeu style apocalyptique, style Days Gone, un truc comme ça, mais en fait pas du tout. C'est un jeu de chasse. Donc je suis allé un petit peu vite. Bon. Là, je pense que ça va partir à l'échange, hein. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc je l'ai payé de la somme de 5 euros, de 29,99 €, donc c'est rien de perdu. Deuxième jeu PlayStation 5, c'est le LX2. Que je ne connais pas, donc, le truc à la Skyrim, donc, je ne connais pas du tout, ça sera l'occasion de tester ça en Let's Play. Donc je l'ai payé, il n'y a plus leur ticket, il y a marqué, non c'est bon, j'ai payé 8 euros. Au lieu de 24,99 €, c'est sûr qu'on va pas payer ce jeu à 24,99 €. Autre jeu PlayStation 5 que je récupère, c'est le Ghostwire Tokyo. Donc celui-là, j'ai vu des let's play il y a quelques temps. Ça m'intéresse grandement de le faire en let's play. Donc ça sera fait en let's play d'ici quelques temps. Donc c'est un jeu qui se passe à Tokyo, tout simplement. Et tout le monde a disparu et il y a des fantômes. Parce que marqué Ghost en français, ça veut dire fantôme. Donc il va falloir sans doute éliminer des fantômes à Tokyo. Donc ça va être super, ça a l'air super beau. Hein. Je vais regarder des let's play, des trucs comme ça. Donc je l'ai payé 15 euros quand même. Hein. Celui-là, il n'était pas gratuit non plus. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière. Il valait quand même 34,99 € à la base. Et plus de la moitié du prix. Hein, même. Donc très content d'avoir récupéré ça. Donc ça sera fait l'objet d'un let's play. Et dernier jeu PlayStation 5 que j'ai récupéré à Carrefour, c'est le jeu qui me tient à cœur, que j'adore. Hein. C'est le Jurassic World, donc la suite de Jurassic Park. Donc c'est Jurassic World Evolution, mais cette fois-ci c'est le 2. J'ai récupéré le 1, j'avais fait quelques let's play. C'était un peu raté, j'avais du mal. Là c'est le 2, il est un peu plus évolué. Je crois qu'on peut même incarner un personnage, on peut se balader avec un personnage dans le parc qu'on a créé. Il me semble, parce que j'ai vu des let's play. Donc ça serait très intéressant de le faire en let's play. Malheureusement, il n'y a pas tous les DLC, parce que je sais qu'il y a un DLC de Jurassic Park. On peut avoir tous les décors de Jurassic Park, vous savez, l'enclos, les logos, les voitures, tout. On peut avoir même, je crois, peut-être même les personnages. Hein. Donc très content d'avoir récupéré ce Jurassic World Evolution 2. Il y en avait que deux dans le bac, donc je l'ai récupéré pour la somme de 9 euros. Donc très content d'avoir récupéré ça, parce qu'à la base, ça valait quand même 59,99 €. Hein. Et là, nous allons passer au jeu PlayStation 4 que j'ai récupéré à Carrefour. Donc, nous allons commencer par le Spider-Man Miles Morales. Donc celui-là, je l'ai payé 4 euros au lieu de 29,99 €. Donc très content d'avoir. Je l'avais déjà. Ça fera l'objet d'un échange hein, contre un autre jeu PS4 ou PS5 de la même valeur. Si quelqu'un qui est intéressé. Donc c'est le Spider-Man Miles Morales. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a quand même la mise à jour PS5. Donc on peut quand même mettre à jour sur la PlayStation 5. Donc Spider-Man, je pense que tout le monde connaît Spider-Man, hein. Je ne vous présente plus. Miles Morales, donc le pays 4 euros au lieu de 29,99 €. Un autre jeu que je ferai en let's play, ça c'est sûr et certain que je voulais depuis un moment. Heureusement que j'ai attendu parce que j'allais l'acheter sur Vinted il y a quelques mois de ça. Et du coup, ouais, j'ai réussi à récupérer en version Day One. C'est le The Callisto Protocol. Donc enfin, je l'ai récupéré. Donc ça, je suis très content parce que je voulais l'acheter. Et à chaque fois que je le voyais à des prix, j'ai failli. Hein. J'ai failli acheter et j'ai bien fait d'attendre. Parce que regardez, j'ai payé vraiment que 10 euros. Et c'était à 39,99 € à la base. Donc ça, c'est vraiment super. Donc celui-là, il me fait penser. J'ai regardé des let's play. Il me fait penser à Dead Space. Donc je pense que ça, on va bien se marrer en let's play. Donc regardez ma chaîne. Parce qu'il y aura des let's play de ce jeu. Et nous allons pas continuer avec deux autres jeux PS4. C'est les deux derniers. Et là, c'est plutôt des jeux intéressants parce qu'il y en avait aucunement ailleurs. J'ai regardé des vidéos de d'autres personnes qui ont fait des soldes à Carrefour et personne, en tout cas j'ai vu personne pour l'instant qui a récupéré ces jeux.
J'étais très étonné de les trouver dans ces magasins à Carrefour. Alors j'ai réussi à récupérer le Police Simulator. Donc il y a une fois j'avais fait le Autobahn Polizei Simulator Dry, il me semble. Et là j'ai récupéré la version anglaise de Police Simulator. Donc ça se passe en Angleterre ou aux États-Unis. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, parce que c'est une ville fictive. Hein. C'était écrit dessus, j'ai vu la ville de Brighton. Brighton, c'est plus en Angleterre, mais d'après les images, ça fait plus penser aux États-Unis. Donc, très content d'avoir récupéré ça, parce qu'en plus, il y a même la mise à niveau PlayStation 5. Donc, c'est-à-dire que je pourrais faire les trophées sur la PlayStation 4 et les trophées sur la PS5. Donc, à voir. Ça, on va le faire en esprit. On va bien se marrer, parce que c'est un peu plus haut niveau que le Police Simulator, mais c'est dans le même schéma, quoi. Ça va être bien marrant de faire ça. J'ai vu personne récupérer ce type de jeu à Carrefour. Donc très content d'avoir récupéré aussi ceci. Hein. Décidément, je suis très content. C'est le Construction Simulator. Donc très rare à trouver en solde les simulateurs. Je sais que les jeux de simulation commencent à coûter un petit peu. Hein. Donc à surveiller les jeux de simulation, je vous conseille de récupérer les jeux de simulation, parce que je sais que dans quelques années, vous verrez, ça vaudra un petit peu de pécule. Donc celui-là, il est en français, bien sûr. Hein. Tous les jeux que j'ai récupérés sont en français. Bien sûr, alors, je les ai achetés au magasin en France, hein, forcément. Donc celui-là, quand même, j'ai mis un peu le prix. Hein. Vous voyez, quand même 19€ au lieu de 39€. Ça pique un peu, mais franchement, le faire en let's play, et en plus, c'est même la mise à niveau PlayStation 5. Donc on pourra le faire. Ça va être bien marrant. Déjà, rien que tout ça récupéré à Carrefour, on est déjà à 99€. Normalement, vous l'avez vu sur l'écran de mémoire, il me semble que ça faisait 99€ au final. Donc, il y a de la PS4, de la PS5 et de la Switch. Bon, la Switch, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, juste après Carrefour, avec Nas, on avait été à Cultura de la Défense et nous avons récupéré des jeux PlayStation 4 et des jeux PlayStation 5. Donc, nous allons commencer par les jeux PlayStation 4. Donc, je récupère un classique que tout le monde connaît, qui date des années 80. C'est le Alex Kidd in Miracle World DX. Donc, celui-là, il est vraiment bien lourd, hein. Il est bien épais. Alors, ça contient, il me semble que ça contient un badge, il me semble qu'il y a un porte-clés, un truc comme ça. Enfin, ça inclut un porte-clés, ici. C'est peut-être pour ça qu'il est lourd, et je sais qu'il y a une notice. Et il me semble qu'il y a aussi une jaquette réversible, de mémoire. Donc, il était à 19€, moins 50%. Donc ça fait, on va dire, 9€, je crois que ça fait 9€, il me semble, un truc, ou 10€. Bon, ça fait quelque chose aux alentours. Hein. Deuxième jeu, PlayStation 4, et là, c'est un jeu pas commun. J'ai vu personne, là pour l'instant, sauf erreur de ma part, j'ai vu personne l'avoir récupéré, celui-là, à Cultura. Donc c'est le jeu HD Remaster, hein, on va appeler ça comme ça, de Commando 2 et Commando 3. Vous voyez, c'est double pack. Donc on a le 2 là, et on a le 3 ici. Alors ce qui est marrant, c'est que ça, normalement, c'est réservé pour l'Italie. Donc je ne sais pas ce que ça foutait dans un bac en Cultura en France. Hein, parce qu'il est bien français. Hein, vous voyez, c'est bien, je l'ai bien acheté à Cultura. Et c'est bien en français. Hein, comme vous pouvez le voir, il y a l'anglais, il y a le français, l'espagnol et l'italien. Vous voyez, là ici, l'italien, il est là. Donc je ne sais pas ce que ça foutait chez Cultura, ça. Bon, en tout cas, très content d'avoir récupéré. Donc normalement c'était 39,99€, moins 50%, ça fait 20€, une vingtaine d'euros à peu près, quelque chose près. Donc ça c'est en espérant que ça va être fait. Et maintenant on va passer au jeu PlayStation 5. Donc j'ai récupéré Let's Breed Build a Zoo. Donc c'est dur à prononcer. En plus ça contient un DLC, donc pas une date de consommation hein, bien sûr. Dinosaur Island. Donc après je sais que par quoi. Après je sais pas si ça va me plaire. Hein. J'ai vu ça, je suis allé un peu vite, j'avoue que j'étais un petit peu vite. Donc là c'était 24,99€ moins 50%. Ça fait 12€ et quelques le jeu, donc ça reste encore raisonnable. A voir si je le ferai en let's play. Hein. Je vais voir les vidéos sur internet pour voir si c'est intéressant. Deuxième jeu PlayStation 5 que j'ai récupéré à Cultura, c'est le jeu JoJo's. Alors JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. R, bien prononcer le R, c'est écrit dessus. Hein. Donc, un jeu de baston à découvrir parce que j'ai jamais réussi à avoir de JoJo's. Donc, c'est la première fois que je rentre un JoJo's, surtout sur la PlayStation 5.
Celui-là, il était à 29,99€, moins 50%, ce qui fait une vingtaine d'euros. Et le dernier jeu PlayStation 5 que j'ai récupéré, c'est un jeu connu de tout le monde, je pense. C'est le jeu Siberia. Par contre, ce qui fait peur, c'est ça. C'est ça. Pam, pam, pam. C'est la boîte qui l'a fait, le Siberia. Donc, c'est Microïd, et Microïd, ils sont pas réputés pour faire des super bons jeux. C'est un peu comme 505 Games. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, c'est une édition 20e anniversaire qui comprend un petit livret, comme vous pouvez le voir. Regardez, c'est carrément dans un livre. C'est en français, c'est en italien, c'est en espagnol, néerlandais, tout ça. Et tutti quanti. Donc, le jeu comprend, vous voyez, c'est, en plus, c'est là. Ça comprend quoi, ça, hein? Ça comprend le 20e anniversaire, édition 20e anniversaire, inclut le jeu complet, le Mediabook, célébrant les 20 ans de Siberia. Donc on essaiera de récupérer les autres Siberia, un petit 4, j'espère. Donc celui-là, il était à 49,99€, moins 50%, ça fait 25€. J'avoue que ça pique un peu. 25€ pour un jeu Microïd, ça pique un peu. Et juste après Cultura, on a couru vite fait à la Fnac, qui n'était pas encore ouvert, qui commençait à ouvrir ses portes, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc avec moi et Nat, on a récupéré pas mal de petites choses. Hop, regardez, il y a même du verre. Il y a du verre, c'est la première fois que je rentre du verre en version. Donc nous avons commencé par celui-là. Alors ça se prononce Goosebumps Dead of Night. Donc ça fait penser à chair de poule. Je me demande si c'est pas chair de poule, ça, en fait. Alors le jeu est en français, il est marqué « âme sensible de s'abstenir ». Donc attention, hein. Si vous êtes sensible, ne jouez pas ce jeu. Il était à 14,99€, moins 60%, donc j'ai dû y penser 6€, 7€, je pense. Et ce n'est pas un code de téléchargement. Deuxième jeu que j'ai récupéré à la Fnac, c'est un jeu PlayStation 4, encore Day One Edition. C'est le Observer System Redux. Comme Ramon Redux, mais sans le X. Du coup, celui-là était 80% de 29€. Donc je pense que ça fait quelques euros, quelques dizaines d'euros, donc c'est très très bien. Donc j'ai vu quelques let's play, c'est un jeu un peu horrifique, ça tire pas beaucoup, à voir si c'est intéressant, donc on le fera en let's play. C'est le Need for Speed Unbounded sur PlayStation 5, donc il était à moins 70% de 29,99€. Donc bien sûr tout est en français, à essayer. Je pense qu'il n'a pas dû marcher ce Need for Speed Unbounded. Donc NFS, hein. Il disait LFS, mais c'est le diminutif de Need for Speed. Le N pour Need, le F pour Fort et le S pour Speed. Donc à voir ce que ça vaudra en let's play. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, vous avez pu le voir que c'était qu'une petite boîte verte. C'est fait partie de la série X. Et en plus, c'est Nat qui me l'a trouvé. Donc elle savait que j'aimais bien ce type de titre. Et du coup, c'est elle qui me l'a trouvé parce que honnêtement, il n'y avait pas beaucoup. En tout cas, j'aurais récupéré grâce à Nat le Psychonauts 2. Donc, il n'était pas sur PS5, il n'était pas sur PS4. Bon, je ne sais pas s'il est sorti sur PS4. En tout cas, à la Fnac, il n'y était pas. Ou alors, quelqu'un l'avait pris juste avant. Mais en tout cas, j'ai récupéré en version Series X et Xbox One Classic le jeu Psychonauts 2. Donc, tout. Et c'est la Mother Lube Edition, comme c'est écrit. Donc, il est encore scellé, hein, vous voyez, il y a le scotch au-dessus et en dessous. Donc, très content d'avoir récupéré ça. En plus, c'est une lenticulaire. Vous voyez, ça change de forme quand. Là, on le voit bien. Là, on voit comme ça. Et là, on le voit comme ça. Là, on voit comme ça. Là, on voit comme ça. Donc, celui-là, il était à moins 50% de 69€ quand même. Hein. Ça pique un peu. Donc, ça fait une trentaine d'euros de payé. Mais ça vaut le coup, j'avoue, que pour le Psychonauts 2, ça vaut le coup. Donc, ça, c'était à récupérer. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Ces soldes de 2024 ne sont pas terminés. Il reste jusqu'au 6 février pour récupérer d'autres jeux, peut-être de nouvelles collections de jeux. Du coup, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Quant à vous, ciao!